Vous avez le projet de reprendre une entreprise artisanale ? Reprendre une entreprise, c'est une bonne idée. Parce que les chances de survie d'une reprise d'entreprise sont supérieures à celles d'une création. Et parce que la transmission de moyens matériels et de la clientèle attachée à cette entreprise est un atout indéniable pour convaincre un banquier et faire aboutir votre projet. Sur ce parcours, il faut malgré tout être accompagné par les experts reprises du réseau des chambres de métiers de l'artisanat, appelés CMA, et respecter certaines étapes. Reprendre une entreprise, c'est être prêt. Cela signifie que vous savez quelle taille d'entreprise et quelle activité vous correspondent, sur quelle zone géographique et selon quel budget. Vous avez également une idée sur les modalités de la reprise que vous envisagez. Location-gérance, rachat de fonds, rachat de parts. Votre expert reprise répond à vos questions et peut notamment vous aider à affiner vos critères de recherche, vérifier avec vous le niveau de qualification requis, anticiper vos besoins de formation. À présent, vous pouvez commencer à effectuer vos recherches et rencontrer un cédant. Comment procéder ? Vous disposez de différents moyens pour trouver le profil idéal. Votre expert reprise CMA vous proposera des solutions pour communiquer sur votre offre de reprise et pourra vous mettre en relation avec des candidats potentiels. Sachez que les cédants d'entreprises artisanales peuvent également être accompagnés par le réseau des CMA. Votre projet est en train de se concrétiser. Bénéficiez des informations utiles à tout chef d'entreprise. Vous allez participer au stage de préparation à l'installation. C'est une formation obligatoire qui vous permettra de sécuriser votre parcours. Votre expert reprise de la CMA vous orientera, y compris dans le cas où vous avez déjà une expérience de gestion d'entreprise. Une fois ces étapes franchies, vous allez pouvoir déclencher le plan reprise. Ça y est, vous avez identifié l'entreprise que vous souhaitez reprendre, établi le contact avec le cédant et décidé ensemble de votre projet, et vous avez suivi le stage de préparation à l'installation. À présent, il vous faut établir le prévisionnel d'activité grâce à l'aide des experts du réseau des CMA. Il vous permettra d'aborder efficacement et sans perte de temps la négociation du prix, d'examiner les apports possibles de vos partenaires, tels que les aides du Conseil régional et les prêts à taux zéro des plateformes d'initiative locale, et de structurer le plan de financement de votre future entreprise avec votre banquier. Ensuite, la signature du compromis de vente, puis, quelques mois plus tard, de l'acte définitif auprès de votre avocat d'affaires ou de votre notaire viendra couronner votre parcours. Il ne vous restera plus qu'à réaliser les formalités obligatoires auprès du Centre de formalité des entreprises de votre CMA, appelé CFE, qui se chargera d'informer les organismes obligatoires de votre nouvelle situation. INSEE, services fiscaux, URSSAF, RSI, greffe, CCI si besoin. Sachez que, si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de vous faire accompagner par votre cédant au début de votre activité. Une belle façon d'opérer une transition auprès de la clientèle. N'oubliez pas, le gage d'une reprise réussie, c'est d'être accompagné. Contactez votre expert reprise. En partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, votre CMA vous accompagne tout au long de la croissance de votre entreprise.